Salut tout le monde, c'est Miros et aujourd'hui on se retrouve pour l'épisode numéro 9, je pense, probablement, de Let's Play Spyro 3 Year of the Dragon. Alors par contre la manette bug un peu, ça c'est problématique. Attendez deux petites secondes, je vais faire des configs. Hop, 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 hop. Hop, normalement vous voyez pas tout ça. Hop, hop, tac, 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 tac. Ok. Et normalement, c'est bon, c'est nickel, tout va bien. On peut se lancer dans l'aventure. On va aller là-bas, dans ce niveau ici, le pic de glace. Un niveau, ma foi, dont je me souviens plutôt bien. Enfin, ça me dit quelque chose, en tout cas, là, comme ça. Il me semble que c'est un niveau très sympa. Bah, écoutez, on va voir ça tout de suite. Ah oui, je m'en souviens, oui, c'est bon. Il y a juste une mission chiante, je crois. Bon, descends et parle-moi. J'étais censé retrouver Doug pour aller à la pêche sur la glace aujourd'hui, mais les rhinos ont bloqué le passage avec de la glace et je peux pas passer. J'ai essayé de dégager le passage avec ce canot. Mais ils tirent même pas droit. J'ai pas réussi à mettre une fois dans le mille de toute la matinée. C'est parce que t'es pas doué, ça. En fait, c'est très facile de viser avec. Vous allez voir ça tout de suite. Hop, bim. De toute façon, je crois qu'on en a déjà eu des canons comme ça, hein, précédemment dans Spyro 2, je crois déjà. Est-ce que je peux les péter les caisses là-bas? Ouais, c'est bon. Hop, ça me sert pas à grand-chose, mais bon. Hop, ça, je sais pas si je peux le péter, ça, oui. Comme ça au moins on est débarrassé de ça tout de suite. Tac. On n'avait pas eu de canon comme ça, des canons à protons, je sais pas trop quoi là, dans Spyro 2. Mais je suis sûr qu'on a déjà eu un canon au moins une fois dans... Au moins une fois... Ah, là il y a un piaf que j'avais pas vu. On va aller s'empresser de casser la tronche. Hop. Donc sinon là je reviens du tournage de l'épisode final de Pokémon jaune avec Ryukai, The Bug et Taka. Et c'était ma foi fort sympa. On s'est bien amusé, hein, écoutez. Hop. Allez, on va prendre ce petit tourbillon pour aller là. Tac, merci bien. Alors là par contre j'ai pas trop confiance. Non c'est bon, c'est nickel. Oula. Par contre ça ralentit tout pile à la fin du saut. J'aurais pu me casser la gueule, j'aurais rien pu faire. Alors. Tac, déjà, toi, on va te péter. Eux, ils sont chiants, là, parce qu'ils ont une armure et ils tapent à distance. Et en général, les ennemis qui ont une armure et qui tapent à distance, moi, je les kiffe pas. Hop, tiens, voilà, allume-toi. Ok, je tape à côté. C'est bien, il y a des joyaux là-dedans, ça, c'est bon à savoir. Comme d'hab, les gros ennemis qui servent à rien parce qu'ils sont tellement mauvais qu'ils ont même pas le temps de te taper. Hop. D'ailleurs, je sais pas si j'en avais parlé, mais maintenant les ennemis nous lâchent des objets un peu comme dans Spyro 1. C'est où, putain, si vous vous rappelez. Donc vous aurez remarqué des craquelures dans le sol et des joyaux en dessous. Je pense que vous avez tous compris ce qu'il va falloir faire. Enfin, on reviendra plus tard. Oula. Non, merde. Mais putain. Voilà, merci. Bon, j'ai plus de vie déjà. On est mal barré déjà, hein. Faut que je me réhabitue, hein, parce que bon, ça fait longtemps que j'ai pas joué. Ça fait bien plus d'une semaine au moins. Hop, toi tu repars là-bas, merci. Hop. Ouais, sans déconner, ça fait plus d'une semaine que j'ai pas joué. Enfin, vous avez à chaque fois à peu près une semaine d'écart entre les épisodes. Moi là j'ai une semaine de tournage, en général j'ai que quelques jours, mais là ouais, je les endure, hein. Franchement je galère. En plus il y a eu Noël récemment, il y a le nouvel an qui va bientôt arriver, là on est le 29, hein. On est le 29, donc ouais il y a le nouvel an dans 2 jours. Allez, on monte là-dessus. Déjà on va ouvrir cette porte, on va péter le mur là-bas. Ah, j'avais pas vu qu'il y avait un ennemi.
Hop, on va lui casser la tronche directement. Le coffre, on le pète. Ça là. Malikoum. Ha ha ha, c'était la blague du jour. Allez, lui là-bas, on lui casse la tronche. Tac, merci. Hop, non, je passe pas. Il me semble qu'il y a un passage pour aller là-bas. Je sais plus exactement où c'est. Mais bon, hop. J'ai cru voir un joyau là qui est tombé, ouais. Je m'appelle Lampé. Alors excusez-moi encore une fois si je commente pas très bien. Il faut le temps de s'y remettre. Malheureusement, il faut un temps de réadaptation. Mais enfin, je pense que ça ira. Hein. Je suis pas trop timide en vidéo. Par contre, en vrai, putain, qu'est-ce que je suis timide. Oh là là. Vous pouvez pas imaginer. On dirait pas comme ça, hein, mais les youtubeurs, en vrai, en général, ils sont timides. Souvent on fait ça pour essayer de vaincre cette timidité, mais ça marche pas tout le temps. Bon, sinon, à part ça, où est-ce que je dois aller? Bon, écoutez, on va passer par là. Hein. Hop, hop. Ah putain, j'en ai marre de ces ennemis. Je les kiffe pas. Allez, bim, toi. Je te break. Ah, un pingouin, tiens, ça tombe bien, toi. J'en avais besoin. Oh merde. Ah! Fuck. Bon. Hop, tiens, toi tu meurs. Là il y a un passage, bah voilà, c'est exactement ce qu'il me fallait. Hop. On va passer là. Tac. Tac. Ah, mais allez, monte. Je sais pas si c'est dans ce niveau-là qu'il y a également un passage avec des voleurs. Course avec des voleurs, même pour être plus précis. Ménard, tu es sauvé. Je connais une fille qui s'appelle Ménard, mais ça s'écrit pas pareil. Elle ne regardera probablement pas cette vidéo, mais coucou quand même. Il y a peut-être des gens dans mes viewers qui la connaissent, hein, étant donné que j'ai quelques amis IRL qui regardent mes vidéos. Pas beaucoup, mais il y en a quand même. Hop, hop. D'ailleurs, il y a des gens dans ma classe qui attendent que je fasse une vidéo sur Call of Duty pour pouvoir regarder mes vidéos. Bah, ils pourront attendre longtemps, croyez-moi. Hop. Et moi, contrairement à une certaine Oxymordicet, je respecte mes engagements, voilà. Pour ceux qui ne seraient pas au courant de l'affaire avec Oxymor, hein, elle est partie en couille récemment. Enfin bref, on va pas en parler. Si vous voulez plus de détails, vous me demanderez en privé. Enfin, même si moi je suis pas trop impliqué dans l'affaire, hein, j'étais pas proche d'Oxymor avant. Ouais, je suis pas trop au courant pour ça. Enfin, c'est surtout Papilu et tout qui la connaissent. Enfin, les. Merde! Oh le con, j'ai oublié d'appuyer sur triangle. Allez pas leur quémander des détails parce que sinon, voilà quoi. Vous dites pas ouais Miros il a dit que bon, sinon ça va mal se barrer. Enfin bref. Bon alors je sais pas trop comment accéder là-bas. Pas comme ça en tout cas. Il y a une vie là-bas. Est-ce que je peux la break avec ça? Non mais de toute façon faudrait que Sparks aille la chercher, donc non ça sert à rien. Hop, allez, Daffy meurt. J'ai un peu de mal avec la caméra inversée là, L2, R2. Ah, mais vous êtes revenu. Hop, tiens. Allez, on va répéter ça là-bas. Hop. On va répéter toutes ces caisses. Tac, voilà. Ça, les oiseaux, je sais pas si c'est bien nécessaire de les répéter. Non, ça va pas l'air. J'aimerais bien vous faire Spyro 4, moi, après le 3, même si on n'est pas encore à la fin, enfin. Mais malheureusement, bah, je peux pas, mon PC est pas assez puissant pour faire tourner le jeu à 100%. Enfin, déjà, il le fait à peine tourner à 50% sur l'émulateur GameCube, alors. Mais il est vraiment bon, hein. Enfin, il est... C'est assez délicat comme situation, c'est-à-dire qu'il est, bon. Il reprend les bases de la première trilogie.
Mais par contre, il est excessivement buggé. C'est le Sonic 2006 des Spyro, hein, pour ceux qui n'auraient pas vu ma vidéo, enfin mon épisode, je sais plus lequel, dans Spyro 2, j'en avais déjà parlé. Mais ouais, Spyro 4, il est très bien. Approche-toi, Spyro! Derrière cette porte a lieu le spectacle le plus génial de la planète. J'ai nommé du patinage artistique. Les tickets pour la saison sont disponibles, mais il faut faire vite. J'ai toujours su que tu étais un dragon cultivé. Vas-y, approche-toi. Le spectacle va commencer. Donc, je disais, il est pas très bien. Il est bien, sans plus. Hein. Mais il est vraiment sympa. Il reprend vraiment le concept de base des Spyro PS1. Ce soir est très important pour ma carrière de patineuse. Mais ces joueurs de hockey vont tout mettre en l'air. Dès que je m'échauffe, ils viennent me frapper avec leur crosse. Oh, si j'avais un partenaire, quelqu'un de courageux, fort, mignon et violet, et capable de cracher du feu. Tu veux bien m'aider à exécuter ma chorégraphie? Ces vicieux joueurs de hockey rhino occupent toute la glace. Mais tout ce que je veux, c'est danser. Merci. Allons-y. Donc on est dans la mission chiante du jeu, enfin du niveau, parce que du jeu, ouais, peut-être pas exagéré, c'est une mission d'escorte, hein. Je crois d'ailleurs que c'est la première fois qu'on a une mission d'escorte dans un jeu Spyro, je suis pas sûr, mais... Ah non, il y avait... Comment j'ai pu oublier ça? L'escorte du bouquetin dans les collines de faille. Mon dieu, est-ce que je m'en souviendrai de ça? J'en ai chié, ma paire. J'en ai chié. Et elle est vraiment pas facile, hein, cette mission, de toute façon. Tous ceux qui ont joué au jeu peuvent témoigner, hein. Même Calion s'en souvient. Calion qui a fait Spyro 2 en let's play un peu avant moi. Putain, mais elle se met dans mes flammes aussi. Ça va. Bon, on recommence. Ouais, donc Calion... Calion avait confirmé, hein, sur Twitter que cette mission était vraiment chiante. Hop. Et on est déjà à 13 minutes de vidéo. On est déjà dans la partie 2. Hop. Hop. Bon, bonjour à vous, hein, qui êtes dans la partie 2. Là, je me concentre, hein. C'est pas une mission facile. Hop. Hop. Alors, je me mets à sa droite, parce que enfin à sa gauche. Et à droite de l'écran, parce que sinon... Merde, 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 merde. T'éloigne pas trop. Hop. Ah! Ouf, c'est bon. Non, 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 c'est pas bon. Ouh, c'est bon. Eh ben. Ouais. Ouais. On a réussi. Je n'ai jamais aussi bien dansé. Mais j'ai l'impression qu'un des juges n'a pas du tout aimé. Il m'a balancé cet œuf au lieu de me tendre une rose. Ouais, je le veux. Il m'a sauvé Cerny.